Et coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Alors je suis désolée pour la luminosité, vraiment, ça joue du yo-yo. À un moment il fait très très clair et à un moment il fait très sombre comme là par exemple, donc je suis désolée. Faut dire aussi que je tourne, il est très tôt, il est 8h42. En mars, j'ai reçu le deuxième tome de Prison Healer de Lynette Nonni aux éditions Hachette. J'ai essayé de le lire et j'arrive pas pour le moment. Je sais pas pourquoi, je trouve le début un peu brouillon, mais j'avais adoré. C'était même un énorme coup de cœur en 2022. J'ai adoré le premier tome et du coup j'avais hâte de me lancer dans le 2, mais je sais pas, le début m'a un peu refroidi, je sais pas pourquoi, mais du coup voilà. Mars, j'ai aussi eu Russian Roulette, c'est une dark romance d'Aurore LC, c'est une auto-édition. Je l'ai déjà lu. On se retrouve avec S qui n'a pas une vie très très facile, hein, voire même pas du tout. Voilà, pas très très facile. Genre, c'est normal ce qui se passe dans sa vie. Et après, il va avoir qu'une seule envie, c'est de se venger. Et nous, on va suivre sa vie, on va suivre tous les complots et tout qui se trame et tout. Et c'est vraiment trop trop bien. C'est une très belle dark romance. J'ai été accro à l'histoire et ça se lit assez vite parce que c'est écrit assez grand. Voilà. En avril. Hop. Bon, ils sont pas dans l'ordre, mais j'ai eu les 6 premiers tomes de Richard Castle. Donc, je vous les montre pas dans l'ordre parce que flemme de les remettre dans l'ordre. Mais Mort brûlante. Colère ardente. Le premier tome que j'ai déjà lu en e-book, Vague de chaleur. Qui est incroyable. Je l'ai malade derrière. Cœur de glace. Froid d'enfer. Les couvertures, elles sont magnifiques. Vraiment. Et mise à nu. Ensuite, grâce à Babilio et de la part d'Hachette, j'ai reçu Hungry Ghost de Victoria Ying, qui est un roman graphique qui parle de troubles alimentaires. D'ailleurs, si tout ça vous trigger un peu, ou même vous trigger tout court, il y a des scènes qui ne trompent pas, donc voilà. Pareil, elle est dans une relation toxique avec une personne de sa famille, donc voilà. Encore un avertissement. Et en fait, on va suivre Victoria. Non, Valérie, pardon. Victoria, c'est l'auteur. Nous allons suivre Valérie qui est en fait en quête d'amour de soi-même. Et c'était vraiment très très beau et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, j'ai eu 3 romans de la collection Hantée. Terreur dans la brume de Tristan Pichard. Et c'est aux éditions Casterman. Ça, c'est des lectures qui vont directement aller dans ma pile d'automne. Voilà, pour Halloween. Le musée des tortures de Rachel Corambly. C'est génial. C'est vraiment très très beau. Et la vallée fantôme de Roland Oda. Couvertures, elles sont magnifiques, j'adore. Tome 2 et 3 d'Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Le tome 2 et le tome 3. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Doudou. Et du coup, c'est pour Doudou. Voilà. Du coup, pour vous parler un peu plus de ces 3 tomes-là, là, on se retrouve avec Laurine qui est en vacances avec ses parents qui s'ennuient à mourir. Jusqu'au jour où elle va aller avec des jeunes dans la montagne. Et au fond d'une cave humide, elle va trouver une créature squelettique qui les appelle d'une voix sifflante « Aidez-moi à me venger ». Dans celui-ci, on se retrouve avec Léo qui est dégoûté. Il se retrouve avec les
Ah, on se retrouve avec Léo qui est dégoûté puisqu'il se retrouve avec les nazes de sa classe pour un jeu de piste dans la ville de Carcassonne. Et au détour d'une ruelle, ils vont rencontrer une séduisante inconnue qui va les inviter à visiter le musée des tortures. Pourquoi refuser? Mais Léo est loin de s'imaginer l'horreur qu'ils vont vivre dans ce musée labyrinthique. Vraiment que des romans qui me tentent. Et Terreur dans la brume, on retrouve Charlène qui est obligée de passer le week-end chez les Ekat et leurs jumeaux, Sine et Célène, qui ont son âge. Mais ils ont rien d'amical puisqu'ils la fixent d'un air bizarre comme s'ils étaient affamés. Juste ça donne envie. Du coup, voilà, c'était le petit slash grand bookhaul, on va dire assez conséquent, mais il y a quand même 6 tomes d'une même série, donc voilà. Mais c'était le bookhaul, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit like, ça fait plaisir. En attendant une nouvelle vidéo, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous, c'est vraiment très important. Bye!